côte Vicentine, au sud-ouest du Portugal. Elle part du Cap Saint-Vincent, d'où son nom, et s'étend sur une soixantaine de kilomètres. Ce ne sont alors que falaises et îlots, un lieu chéri des habitants du coin. Ils affirment que le poisson y est un peu meilleur qu'ailleurs, et pour une fois, c'est peut-être vrai. Sur cette côte se mélangent les courants de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud et de la Méditerranée. Le plancton y est donc d'une qualité incroyable et les poissons d'une grande variété. Il ne reste qu'à aller les chercher. Il n'y a pas trop de poissons en ce moment. Il n'attrape pas de dorade vers la forteresse, non? À la forteresse, apparemment Samuel y est allé, il m'a dit qu'il y a pris 4 kilos il y a 3 jours. On va aller sous le rocher qui est à l'extérieur. Ah, la mer est belle. On va descendre ici et on va aller dans cette zone là-bas à gauche. Il y a aussi une autre zone à droite, c'est une grotte. C'est un chemin très étroit, donc il faut marcher très doucement. Mais ça va. Et on arrive là-bas et on jette la corde. Sur la côte vicentine, on part donc pêcher comme on part en randonnée. À l'exception près qu'il faut souvent avoir une corde avec soi. La tribu indispensable qui traîne toujours dans la voiture de Carlos et de son fils Rodrigo. Carlos, employé à la mairie de Vila do Bispo, un bourg proche du Cap Saint-Vincent, est un pêcheur réputé. Mais ce qu'il fait là, des centaines d'autres le font aussi. La marche d'approche, puis la falaise. Ici, aucune voie n'est équipée. Un rocher fait l'affaire. Il y a bien des cordes qui pendent ça et là. Mais il vaut mieux être prévoyant. La corde, c'est la seule sécurité que vous avez. Il y a déjà eu des accidents avec celles qui sont là. On ne sait jamais si elles sont bien fixées. Une fois, un monsieur cherchait des pousse-pieds à sa graisse. Il a utilisé une corde déjà posée. La corde a lâché. Il est tombé et heureusement, il n'y a eu que quelques égratignures. Donc, vaut mieux utiliser sa propre corde. C'est plus sûr. Tu vois la corde qui est là? Oui, je vois. Il faut que tu prennes l'autre. C'est plus simple. C'est dangereux. Putain, tu y arrives? Tu arrives à monter? Fais attention, ça glisse. Ça glisse. Ça va? Bon, aujourd'hui, ça ne s'est pas très bien passé. La descente était un peu dangereuse, c'était très glissant. Mais je m'en suis sorti grâce à la force de mes bras. Je n'ai pas eu peur, pas de problème. Pour dangereuse qu'elle soit, cette pêche-là fait partie de la culture locale.
C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Le grand-père initie le père qui initie le fils. Et il n'y a rien de plus normal que d'aller dans les falaises. Certains disent que c'est aussi naturel que d'aller marcher dans la rue. Mon fils a commencé à venir à la pêche avec moi très jeune. Je lui ai appris à respecter la mer parce qu'on doit respecter la mer. On doit transmettre certaines valeurs et en même temps, il faut qu'il y ait cette sensibilité et ce respect. C'est très important. À la maison, on est toujours en train de faire quelque chose de différent. Mais à la pêche, on est vraiment ensemble. Donc on a une relation plus proche. Il m'apporte son aide, il me donne ses conseils. Et comme ça, il me transmet toute la confiance qu'il a pour moi. Il me transmet son amour et ça nous rapproche beaucoup. Chaque fois qu'on va à la pêche, ce sont de bons moments. Keshoes, les cercueils. Deshida Dohomen, la descente de l'homme. Trem Trem, tremble, tremble. Chaque falaise a un nom. Un nom qui fait parfois peur, mais n'empêche pas les hommes d'y venir nombreux. Tellement nombreux d'ailleurs qu'ils font l'objet d'une étude scientifique qui va durer 2 ans. Et 2 fois par mois, un petit avion survole le cap Saint-Vincent. On essaie de s'approcher, on essaie de passer par-dessus. Ok, très bien. Tiens, il y en a deux. Deux ? Trois. Trois ? Ok, encore un, quatre, cinq, six. Six, tu confirmes ? Oui, je confirme. Ok. Sur cette section, on en a 15. Il y a les 7 premiers, plus 2, plus 6. Ce sont des comptages instantanés qui nous donnent une notion de la répartition des pêcheurs sur toute notre zone d'étude. Comme la zone est trop grande, nous devons la faire avec un avion pour avoir une idée de la répartition des pêcheurs et de l'effort de pêche sur toute la côte. Pedro Vega, jeune chercheur de l'unité de biologie marine de l'université d'Algarve, mène l'étude. Il y en a déjà eu beaucoup sur la pêche commerciale locale. Celle-ci, sur la pêche dans les falaises, est unique au Portugal. Tu vois le mec ? Oh là là, il est fou ! Il y en a encore deux, t'as vu ? Pedro, encore au début de sa recherche, veut dresser un portrait sociologique de ces amateurs passionnés. Et pour mener à bien ce projet, il est bien obligé d'aller là où ils sont. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Pedro et je fais une étude sur la pêche, sur la côte et dans les falaises. Ça va de Villa Real, de Santo Antonio jusqu'à Sines. Donc on va sur les lieux de pêche pour interroger les pêcheurs, pour connaître un peu plus votre activité. Je ne prends pas trop de risques, mais pour aller à la rencontre des pêcheurs, il faut bien monter et descendre dans les falaises. Alors c'est vrai, c'est risqué pour nous comme c'est risqué pour eux. Là, vous voyez, moi et mes deux collègues, on était là. La mer était assez calme et il y a une vague qui est arrivée. Elle a commencé à monter et nous attraper tous les trois. Mais comme on était assis, on s'en est bien sorti. Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Et parfois, elles sont dramatiques. Une semaine avant notre arrivée, un homme est mort dans les falaises. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, il y a eu une énorme vague qui l'a pris là-haut.
Il n'avait aucune chance. Ici, il n'y a pas grand monde qui tombe. Dans la zone de Carapateira, à la pointe de Carapateira, ou dans la zone des Quechues, ou dans d'autres zones encore, il y a plus de monde qui va à la pêche. Et dans ces falaises, les gens peuvent prendre beaucoup de risques. La mer peut se lever d'un coup et prendre les gens au dépourvu. Ça peut être fatal. La confiance est la seule façon de faire face à ses craintes. Non, j'ai jamais peur. Sauf quand vous me racontez des histoires qui vous sont arrivées. Et je dis à ton père, fais attention. Sois prudent, mon fils Rodrigo est encore jeune. Il ne mesure pas le danger. Juste ça. Donc c'est juste quand on te raconte ce qui nous arrive. Bien sûr, quand je le sais, je... Par exemple, au Cap Saint-Vincent, quand vous allez au Cap Saint-Vincent pour plonger, vous vous mettez dans des grottes pour amasser les pousse-pieds. Et alors, vous profitez des vagues, vous profitez de la mer. Là, je m'inquiète un peu, car je vois bien que vous jouez avec votre propre vie. Et que ça peut être dangereux. Tu ne dis pas à maman exactement où tu vas. Tu lui dis juste que tu vas chercher les pousse-pieds. Oui, je lui ai dit que je vais à la pêche, je ne dis pas l'endroit où je vais ou ce que je vais faire. Je vais à la pêche, quoi. C'est tout. Ça aide de ne pas savoir. Allez, on y va. Zé et Nicolao ont fini par revêtir les combinaisons. Ils observent toujours l'océan au moment d'y aller, mais la marée n'attend jamais.
et ce matin-là, il était un peu tard pour changer de lieu. Malgré les conditions difficiles, ils partent au pousse-pied à la terrible pointe de Carapatera. Il faut bien gagner sa journée. Leur progression a ressemblé à un abordage laborieux. Un premier rocher sur lequel ils ne peuvent aller. Un autre qu'ils refusent pour trouver enfin place sur un troisième. Zé et Nicolao travaillent souvent ensemble. Il y a quelques années, Zé, l'un des pêcheurs de pousse-pieds les plus fameux de la côte vicentine, a pris sous son aile Nicolao. Et comme tous ceux qui pêchent ici, ils ont des souvenirs de moments durs en pagaille. C'était en plein hiver. Et la mer était très, 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 très forte. Toute la mer était complètement blanche. Et c'était une grande marée. Et moi, j'avais pas d'argent, j'avais rien, 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 rien. Zé avait un peu plus, mais pas beaucoup non plus. Et il pleuvait, il faisait très froid, il y avait du vent, et la mer était complètement impossible. Et il était 6h du matin, c'était encore nuit, on était en haut dans la voiture bougeait avec le vent, il pleuvait. Et on s'est regardé, on a dit, attends, Temshkir, il faut qu'on y aille. Et on s'est habillé, on est descendu, et on a pu juste travailler sur la pointe là, juste sur la pointe. Et à chaque fois quand la mer venait, il fallait monter, il faut s'accrocher une corde. Et on a fait la marée, je me souviens, j'ai gagné 5000 écus ce jour-là. 5000 écus, c'est 50... C'est 25 euros. J'avais gagné 25 euros ce jour-là. Et voilà. Moyen. Moyen. Pour deux. Mais... C'était pas trop dangereux là. Voilà. Pas trop, mais dangereux. Limite, limite. C'est pas des grands poussés, mais c'est ce que la mer nous a laissé faire. Ben, on n'avait pas accès au. Putain, la mer était forte. Sur la côte vicentine, tout le monde ramasse des pousse-pieds qui sont aussi l'une des richesses des falaises. Et ils sont environ 80 aujourd'hui à en vivre une partie de l'année comme Zé et Nicolao. S'ils ne sont que 80, c'est bien parce que depuis septembre, il faut une licence pour en prendre sans limitation de quantité. C'est une vieille tradition. On a interdit aux gens d'attraper les pousse-pieds. Les riverains sont autorisés à prendre 500 grammes à la main. Mais tu ne peux pas les attraper à la main. Il faut les attraper avec ça. Ou avec un couteau. Mais les gens ont droit seulement à 500 grammes, un demi-kilo de pousse-pied. Avec la main, c'est un manque de respect. Mais ici, ça a toujours été une tradition. Pour les gens qui habitent dans les environs. Les agriculteurs, même les femmes. Les femmes, les enfants, le peuple. C'était la tradition du peuple d'aller chercher les pousse-pieds pour manger, pas pour vendre, pour manger. Une nouvelle loi s'applique également aux pêcheurs à la ligne, obligés dorénavant d'avoir une licence et limités à 10 kilos de capture. Dans cet endroit pauvre de l'Algarve, le produit de la pêche a toujours servi à remplir les frigos et pour beaucoup, à boucler les fins de mois.
Aujourd'hui, pour 15 euros le kilo, un bar finit en 12 dans les arrière-cuisines des restaurants des villages. Ce qui n'est pas rien dans un pays où le salaire minimum est de 400 euros. C'est du poisson du jour ? Oui, c'est du poisson du jour qui vient d'Arifana. Il a été pêché ici sur notre côte et nous l'avons acheté ce matin aux pêcheurs. C'est du poisson de ligne. On a beaucoup de gens qui nous vendent du poisson. Ce sont des pêcheurs amateurs, mais ils en ont besoin pour nourrir leur famille. Ils ont des enfants à l'école et ils ont beaucoup de dépenses. Donc ici, c'est un moyen de gagner un peu plus d'argent pour aider la famille. C'est pas une méthode vraiment légale au Portugal, mais le poisson est frais. La mer est de travers, elle vient du sud-ouest. Oui, la mer est de travers, on tourne, on va plus vers le sud. Ici, c'est le rocher de Cajad, où mon père et ses amis viennent pêcher depuis longtemps. C'est un très bon rocher, et eux, ils peuvent attraper ce qu'il y a de mieux ici. Tu vas aller mettre la corde là-haut, tu vois ce caillou là? Tu y attaches la corde. Et après, on met le bateau là-bas. C'est un vice. C'est vraiment un vice. Les pères emmènent les enfants quand ils sont tout petits, à la mer, à la pêche, et les enfants s'habituent. Ça devient quelque chose de normal, on fait ça régulièrement. C'est un bon vice. Sur leur rocher, Carlos et Rodrigo ont pris seulement 3 sars. Mais ce qui mène les hommes ici, c'est surtout un certain goût du risque. Pêcher dans les falaises ou sur les îlots, c'est aussi une façon de vivre un peu plus pleinement.